Paul@palais.com. Lundi 16 octobre 2017, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour la première sortie de la rubrique invité du jour pour la semaine. Et on a parlé jeudi de consultation entre président Jovenel Moïse et parti politique. Et deux rencontres et faites sous institutionnalisation et financement et des partis politiques. Et pour dernière rencontre, une commission suivie et qui mettait en place avec un représentant cette partie politique et commission li et fait première réunion vendredi dernier. Est-ce que nous capables de considérer ça quand qu'on ou pas dans dialogue politique que Jovenel Moïse li annoncé depuis quelques mois les états généraux de la nation qui sous qui ça et rencontre ça avec les partis politiques capables de déboucher. Alors, ce que y a des partis politiques qui dans la rue et qui a demandé départ du président de la République. Et nous parlons ça matin là avec Mathias Pierre de La Paix, transfuge de Petite Dessalines. Mathias Pierre qui est en ligne avec nous. Mathias Pierre, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. Et bonjour, et Madame Bonhomme, et son plaisir et pour moi avec vous matin, et certainement et avec tout auditeur, auditrice, Captain D et Vision 2000, dans le moment ça. Merci pour disponibilité, Monsieur Pierre et Mathias Pierre et Gampil Moun qui est saisi hein, semaine dernière là, ou annoncé que c'est la paix. Que tu as présenté dans la rencontre là. Et qui ça fait là? Bon, l'hyper simple. Et certainement, nous connaissons que moi été annoncé depuis après l'élection. Et nous croyons que nous sommes candidats à la présidence. Et nous sommes dans la dynamique. Et côté que nous sommes abandonnés à un certain moment pour nous courir en l'autre candidat. Mm-hmm. Et parce que nous te quoi que effectivement et Jean Coussin a tapé Marien faut que nous te fait bac et pour nous découvrir en l'autre monde. Mm-hmm. Et c'est ça démocratie a mandé et certainement nous te al courir et candidat et Maurice Jean-Charles n'a pas d'élection que fait yo et l'élection finie et après deuxième élection hein, et nous participons à toute activité l'élection finie et certainement et candidat Maurice était prêt pour contester et ensuite pour dire que le pas reconnaître le président qui est là nous même nous fait évaluation par nous et on coupe qui était fait partie de initiative ça d'appuyer le candidat nous te dit nous même que nous reconnaître que élection finie et nous baillons trêve et que nous demandons le président élu pour qu'il ait rentré dans le dialogue et avec les partis politiques avec acteurs politiques pour nous capter la stabilité politique dans le pays donc c'est là nous y est. Mm-hmm. Et c'est comme ça que nous t'es invité dans le cadre des réunions qui t'a fait au niveau palais national. Et certainement, m'a rappelé que le sénateur Anakassi Jector et que m'a travaillé, m'a prenne qu'on est mis et dans G8 là. Parce que quand même, G8 là, c'est une dynamique côté leader qui était là. Et on était qu'un pour apprendre qu'on l'autre parce que nous t'es fait pile temps à travailler ensemble. Mm-hmm. Pile bagaille que le sénateur Anakassi fait. Que nous avons toujours consulté avec lui, nous avons toujours participé à des rencontres, particulièrement l'aile de faire et invitation pour élection à trois. Il était sur ton document, moi j'ai gardé le document avec lui, etc. Donc nous avons continué à parler sous question de financement, institutionnalisation, parti politique. Et leur initiative s'apprend, il m'a demandé est-ce que je peux représenter la paix dans le cadre d'initiative ça, puisque son consultation technique. Mm-hmm. Et travail ça beaucoup plus technique que politique. Moi, je dis, bon, écoute, pas un problème. Donc, c'est pour ça que je me présentais la peine à cadre d'initiative et comité ça mm-hmm. pour faciliter l'application de loi sous financement et institutionnalisation parti politique. OK. Comment entrer dans l'appel là? Comme simple soldat ou bien avec tout galon?
Batri la la pe. Matas Pierre, quand même, et moi, et sous rappel ou bien, et Madame Bonhomme, dans la période élection ou encore période commission à ta mettre en place, et bayon coup, mais dans la question de santé habilitation pour accompagner et spécialement et comprendre le système électoral là, garder les problèmes qui gagnent et résoudre les problèmes. Il y a un intérêt que je développe depuis après l'élection, c'est garder le système politique là et on le tient. Garder qui problème majeur qu'on gagne dans le système politique là. Un exemple simple, un parti politique qui n'est pas structuré tête et souterrain, un parti politique qui n'est pas renforcé souterrain, qui n'est pas une base de données des membres, il est difficile là, pour l'élection pour parti politique ça, en un clin d'œil, trouver mandataire dans toutes 572 sections communales, soit à peu près 11 000 bureaux de vote. Ça veut dire qu'il y a une chance que parti politique ça absent dans le bureau de vote là, dans le moment que l'élection a fait. Si ou absent dans le bureau de vote dans le moment que l'élection a fait, systématiquement, ou pas un représentant dans le bureau de vote là. Si ou pas un représentant, ça veut dire que le procès verbal là, a baissé, ou absent ou pas là. En politique, il y a toujours des pouvoirs absents ou rien tôt. Ça veut dire que je vous dis, je viens comprendre que bon élection, oui, à l'élection pour gagner, oui, mais si parti politique ou la donne n'a pas renforcé, si parti politique ou la donne n'a pas gagné, tout côté dans le pays, qui c'est membres qui affiliés, des membres que le parti a connu, les gens qui ont téléphone, les gens qui information, les gens qui section communale, c'est difficile pour parti politique ça, sans les grands moyens. Ça veut dire qu'on pouvoir gagner pour le capable rapidement mettre un système en place pour le capable aller à l'élection et de manière appropriée. Quand on a parlé de l'appel à Mathias Pierre, et candidat et l'appel à, et il n'y a pas tellement de problèmes, moi, et non, en tout cas, au vu de ça, nous t'es ouais. Non, ça veut dire que moi-même, moi intéressé depuis quelques temps beaucoup plus au renforcement des structures politiques et m'a produit des réflexions sur ça. Il y a des bagages qui m'ont fait. Donc, l'appel l'a fait. Certainement, c'est la dernière carte pour me représenter. Eh bien, moi, avec plaisir, m'a représenté dans le cadre d'initiative. Non, ça m'a expliqué là, c'est que moyen pas suffit pour faire gagner une élection. Non, moyen pas suffit pour faire gagner une élection. Il faut pour gagner les ancrages nécessaires. Et, si vous regardez bien, combien de partis politiques depuis quelques temps ont fait congrès, combien de partis politiques qui font formation, combien de partis politiques qui gagnent local à travers le pays. C'est difficile. Parce que les partis politiques n'ont pas les moyens économiques pour la plupart. C'est vrai que des fois, il y a une élection, il y a des gros candidats qui ont le candidat, mais son chapeau le prend sous tête partie. Mais l'IPAT là, n'a renforcement sur toute la base partie. Et je pense que l'initiative, ça, sous question financement et institutionnalisation parti politique, pour moi, c'est là qui est important. Et pour moi, c'est un bagage qui est important pour le pays et son bagage que je la donne. Donc, c'est avec plaisir que moi, vous présentez et la paix. À savoir, mandat du sénateur Anna Cassie-Jean-Hector pour que je siège en un comité pour faciliter le travail ça capable de faire de manière très rapide. Vous pensez j'ai oublié la question de déposer là? Très songé la question de déposer. Ah, on a les réponses. Qui vont rentrer? Est-ce que bon, comment intégrer la paix? Ils vont se raconter ou bien un fauteuil confortable? Nous sommes alliés qui apprennent nos bagages et puis qui battent un coup de main pour aider la dernière. Mais on n'est pas un membre jusqu'à présent du parti là. Donc, en clair, ou pourquoi est clair dans la place où on a gagné dans la paix? Et je pense que ça fait partie de l'autre démarche. Et parce que moi-même, quand même, et moi, j'ai décidé de bailler longtemps et dans la politique en pays. Et moi, comprendre un pile bagaille dans la dernière de l'année qui se passe là. Moi, au-delà, parce que là, pas dans le monde politique. Là, pas dans le système politique là, il y a des bagages pour carouer, pour penser que c'est facile. Alors, la donne, vous venez comprendre mieux, et je pense que je vous dis, hein, l'important, s'ouvrir faire politique, s'ouvrir faire politique au plus haut niveau, et pour aider le pays à accompagner, je pense que font expérience de partis politiques, et un parti politique qui est fort, un parti politique qui est structuré, je pense que un homme politique, t'as de faire expérience ça, et moi-même, moi, disposé, engager, et puis devant, on a bien pour nous faire évaluation ça, et garder comment on a engagé nous, et beaucoup plus à fond, et en dedans, et
en parti politique. Ok. Mais comment ou pas engagé à fond dans nos partis politiques alors que ou gain responsabilité pour faire de gros négociations comme ça. On a parlé de financement et parti politique, gain cob et qui prend le bas et puis ou son monde Mathias Pierre l'on non bagaille ou pas des rideaux. D'ailleurs nous dans rencontre même si gain sept partis qui représentés ou très visibles, c'est ou qu'a parlé à la presse. Et puis on fait ça ou pas contre contrôler dans la paix. Non, non. Et travail, ça, et vous croyez que c'est beaucoup plus technique. Et décision, ou encore travail qui vient pour produire par le comité. À qui je dis à son comité de neuf, je m'en préfère rapidement vendredi, la décision qui prend pour mettre les comités suivis en place. Mm-hmm. Et les partis politiques, ils ont battu 4 là, il y a deux nouveaux partis, c'est groupement, c'est consortium avec PPG18 qui rejoignent et comité qui fait un comité de 9 membres. Fonti campé là Mathias. Consortium et pas ou parti et proche PHC Calé. Et nous pas évalué. Une question. Ou du moins dans qui quand dans qui et catégorie que un groupement est en consensus après 2 heures de temps et 3 heures de temps de débat ou le qui te gagne dans l'initiative réunion que fait vendredi hein. Et le consensus là, il est joint, côté que, à sept partis politiques que m'a rappelé, c'est et La Paix, PDCH, et Vérité, Unir, OPL, PHTK avec KID, et un consensus qui est joint pour qu'il y ait deux autres entités politiques qui rejoignent et comité. Et consensus ça, c'était le consortium avec PPG18. Balance à Paris, qui est penché en bois? Non, en fait, je vais rappeler que le comité a beaucoup plus de travail technique, plus de travail qui vous fait par un parti politique. Là, nous pourrons regarder tout à l'heure, pour voir le web, beaucoup plus, c'est garder la loi sur le parti politique. Là. Qui ça, la loi dit, dans le cadre de financement public? Là. Et là, nous finissons garder la loi qui ça dit dans le cadre de financement public. Là. Et, parce que je vous dis, hein, la loi soit appliquée de manière stricte, là, nous sommes capables de dire, et pas et bail ont certaine stabilité parce qu'ils ont un petit groupe tout petit de partis politiques qui pourraient bénéficier de majorité financement. Je vous dis, c'est joindre un consensus parce que la loi a existé. Son loi qui votait en 2012 par le Sénat de la République, qui votait en 2013 par la Chambre des députés et avec député Tobé Alexis comme président et Chambre députée, et en janvier 2014 qui publiait. Donc, on loi. Je vous dis, exécutif là, c'est qu'il doit décider la pas appliquer la loi. Et s'il applique la loi, je vous dis, l'analyse que nous faisons, il y a à peu près 10 partis politiques qui ont bénéficié majorité financement. Donc je vous dis, qui ça nous vient pour nous faire tout simplement, c'est garder en dans application de loi, arriver à un consensus qui pour toujours rester dans le cadre de loi, mais tant bien que article sous financement public là, que des dispositions transitoires là, loi, pour permettre que l'ensemble des partis politiques qui qualifiés d'adit et pour bénéficier de financement, que y ait une meilleure réallocation qui fait. Ça va là beaucoup plus technique que un travail que on, même s'il représente un parti politique, pourra le faire en faveur de un parti politique. On croit que si c'est à ça, on croit que effectivement certains monde qui dans comité là pas peut-être les meilleures personnes qui vont retrouver dans le comité. C'est beaucoup plus technique. De toute façon, et soit dit c'est que représentant toute l'autre parti politique est d'accord, donc il va égaré. Et moi je crois que certainement chaque monde besoin il garder intérêt et chaque parti politique doit garder intérêt. Même à bon exemple, ou bien des partis politiques, je vous dis, hein, qui n'y a pas un représentant dans les comités, qui pas ou encore qui décide pas participer en dans dynamique de dialogue ça, parce que même pour moi, les bagages ça rentre dans un bagage qui est plus grand. Au moins c'est premier pas à dialogue et que le président lui-même lui dit qu'il voulait faire. Et c'est dans ça que nous engageons nous dans la dynamique ça. Eh bien, partis politiques ça et tout, yo bénéficiaires de financement parce qu'ils ont vérifié les conditions. Pas grand monde qui va le dire, on va défavoriser tel parti ou tel autre parce que parti ça, je vous dis,
li pas en faveur son loi lié loi li dit mais comment pour l'appliquer li prend parti politique yo donc les nous pral publier rapport le rapport va donner yo qui pourra servir de support à rapport et me dit son rabat technique parce que premier bagage nous fait c'est mandé CEPA qui pour ba nous tout donner sous dernière élection yo pas seulement élection présidentielle et élection au niveau législatif yo mais élection au niveau et collectivité yo prend toutes données ça yo et puis essayer ouais comment par rapport à la loi en fonction des données yo et puis appliquer et ça qui dit en la loi donc c'est ça le travailler donc il pas gagné pour bénéficier d'un parti politique ou l'autre dans le cadre d'application. Mais on a parlé là de ou texte qui fait l'objet de contestation et même là était au niveau de Chamlan Gemoun que Texa et Pouyo des dirigeants politiques et qui estimaient que Texa posait problème. Est-ce que ça pas fait sens c'est pour nous et porter correction et puis exécuter à revoir le parlement et puis et qu'on y a là le nous gon texte que majorité d'accord sous lit m'a parlé de parti politique et puis et là nous t'a commencé et démarche ça n'a fait là bon alors premier bail qui gagne et premier travail c'est moi même et l'autre équipe t'ai fait et en dans et comité a ou dans des autres groupes c'est à chercher qu'on est origine texte ça et comme dit que gagne des monde qui était travail sous l'initialement, par exemple, on connaissait Gordy Leblanc et OVL qui est un premier initiateur et suivi de groupe fusion et m'a parlé de Madame Bozil et autres qui initiateur de projet ça et c'est sénateur Edmond Bozil, sénatrice Edmond Bozil qui était premier initié Texa dans le Parlement. Texa, au moins, vous dire c'est un document extrêmement important pour la palais de démocratie en Haïti. Parce que finalement, Haïti, et dans tout le temps, nous avons parlé de démocratie, si vous regardez sous l'histoire du parti politique, ce n'est qu'en 2014, nous finalement gagnons un texte qui est publié, en dehors de l'autre décret qui était gagné avant, après 86. C'est pour une fois, nous avons un texte qui est publié sous les partis politiques, leur financement, leur institutionnalisation. Deuxième élément qui vient d'un texte, et consensus, certainement, qui peut être fait texte et voté. Et dans le Parlement en 2014, fait que il y a des modifications majeures qui sont faites dans le texte-là. Par exemple, tu es supposé gagner 5 000 membres. Et dans le texte initial, là, pour être capable de gagner un parti politique qui est reconnu, je vous dis, il y a des articles qui créent confusion. Il dit 20 membres au départ, mais il y a des articles qui, pour reconnaissance légale là, qui est un petit peu modifié avec des confusions, etc., qui m'ont déclaré. Donc, ceci dit, oui, il y a une loi. Nous, dans un premier temps, il faut que la loi appliquée. Certainement, rôle comité à tout, c'est travail sous un projet d'amendement. Mais certainement, pour arriver à un projet d'amendement, il faut inclure le plus de monde. Il y a des experts, par exemple, nous voulons saluer tout, Marie-Laurence Lassec, dans le cadre IDEA, qui a un travail extraordinaire qui se fait sous question et parti politique en Haïti. Et comment parti politique de jouer un rôle en la construction de la démocratie, parce que parti politique c'est pilier et démocratie. Nous gagnons des mondes comme pour la NFE, bon, Alain Gilles, qui ont même fait des travaux avec IDEA, qui fait des recherches, qui fait des enquêtes, qui montrent les problématiques parti politique. Yo. La conclusion, c'est qui ça? C'est que je vous dis, pour aider à renforcer parti politique, il faut qu'ils financent, il faut qu'ils institutionnalisent. Institutionnaliser, vous dites qui ça? Ça veut dire qu'il faut partis politiques à construire tête et souterrain, il faut partis politiques à un monde qui a une idéologie, il faut partis politiques à une capacité pour faire formation pour membres ou dirigeants, il faut partis politiques à être capable de faire congrès annuel, c'est le meilleur moyen pour qu'une démocratie en un parti politique à lui-même. Or, majorité des partis politiques aujourd'hui, pour eux, font congrès annuel. Ce n'est pas bien les moyens économiques. Il y a des partis qui ont besoin de 2-3 millions de gouttes pour faire un congrès annuel ou un congrès et chaque 2 ans. Qui peut permettre de renouveler les dirigeants politiques, il n'y a pas de capacité pour le faire. Ou bien il va intéresser à faire tout. Et certainement, et là, il y a un monde qui finance les congrès. Là, il y a un monde qui finance les partis politiques. Comment ça, qu'on est propriétaire de partis politiques-là. Donc, quelque part, pour démocratie, là, il y a un parti politique-là, vous avez besoin de financement public-là, parce que là, ça, vous avez une chance que les dirigeants, ils sont élus
à travers le Congrès, et il pourrait avoir un parti politique de plus force et plus représentativité pour être capable de parler. Par exemple, je veux dire, à nos questions, on va poser. On est dans le camp, il parle au nom d'un parti politique, je dis que c'est le dirigeant parti politique. Or, théoriquement, ça suppose qu'il y a un congrès qui fait, qu'on résolution qui sortit, qui dit voici la liste des dirigeants qui communiquent avec la presse connaît qui est le président, qui est le secrétaire général, qui est le porte-parole, etc. Mm-hmm. Et si un monde tape pour parole sous nos partis politiques là, systématiquement, il n'y a pas attribué. Et moi-même, par exemple, je fais expérience ça. Moi, on a lié d'un candidat que je me supportais. Donc, théoriquement, on prend parole parfois sur nos candidats. Et puis, systématiquement, je te dis que Mathias Pierre, c'est mon petit Dessalines. On va dire qu'on résolution qui te prend, qui te dit que mon petit Dessalines. Discussion a été faite, mais pas dire qu'on résolution côté que moi, tu es d'accord. Et groupe là, tu es d'accord que moi, je vous dis, c'est un dirigeant du parti. Moi, simplement, prend parole parce que nous sommes un allié. Nous avons couru candidat à un moment spécifique. Automatiquement, candidat a dit élection finie, qui casse qui prend parler. Je n'ai pas de mandat pour me parler. Bon, donc, c'est sûr. Si le divorce savait nous consommer, nous ne sommes pas sous même, pas sous même ligne. Ça, c'est où l'autre bagage. Nous ne pouvons pas retourner sous Wall, place où tu as gagné, dans la petite Dessaline. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif émis sur ça. Alors, est-ce que. Et les neuf représentants des partis politiques qui n'ont comité suivi, est-ce que nous sous même longueur d'onde? Est-ce que nous d'accord, nous mettons-nous d'accord sur ça, nous gagnons une direction que nous voulons aller, qui attitude que nous devons gagner face au chef de l'État qui initie le dialogue ça avec les dirigeants politiques? Et dans un premier temps, pour faire premier membre, oui. Parce que immédiatement que la réunion était faite le 14 septembre dernier, l'ensemble des initiateurs, c'est ça que nous avons les têtes, un comité d'initiative ad hoc, ensemble d'initiateurs, fait plusieurs et plusieurs réunions et rencontres. Et nous mettons-nous d'accord sous un ensemble d'éléments sur lesquels nous allons faire et travailler ça. D'abord, comprendre la loi, comprendre la problématique loi, comprendre question application loi, préparer des présentations, et c'est ça que nous allons restituer par les partis politiques. Mais d'abord, nous entendons-nous pour que si, pour nous capables à restituer par les partis politiques, il faut que nous ajoutions une bonne foi pouvoir, à savoir le président de la République, là, pour lui dire, mais moi d'accord avec ce qu'a fait là, et que s'il fait, ma balle bénédiction, ça veut dire que l'homme dit bénédiction, ça veut dire que m'a appliqué sa balle soutien dans la mesure où il était dans le cadre de la loi. Donc, nous faisons première étape ça. Président fait les premières réunions. Hein. Comité 1, hein, initiative l'a dit, moins préparons bagaille. En alchita nous-mêmes, entre partis politiques, pour nous travailler sous lui. Dans la réunion que fait vendredi, nous chita ensemble, nous discuter, bien division, bien problème, nous joignons consensus. Donc, je vous dis, un comité de neuf membres pour aller une semaine ça pour faire première réunion, pour que nous mettions nous tous d'accord, gagner des éléments qui gagnent des entités politiques qui partent au fin d'accord. Par exemple, il y a des entités politiques qui sont supposées bénéficier X montant, peut-être qui a retrouvé ou pour aller bénéficier Y montant, qui moins que ça pour aller bénéficier. Il faut que nous ayons un consensus avec eux, et certainement, qui pour permettre nous sortir avec mon document. Que majorité parti politique qui t'a qualifié pour financement public là que eux-mêmes ils mettaient la cause. Gagne une note qui sorti dans fusion et fusion qui gagne représentant dans commission et suivi a note ça est capable semer le trouble dans les esprits et même jour en compte là et Rosemont Pradel qui c'est secrétaire général et fusion ils vont note et dans la presse quand elle dit et eux-mêmes il y a l'invitation président ils répondent positivement ces questions institutionnalisation vie et politique à qui puis intéressé si et m'a présumé si et pouvoir t'apercer, va venir fermer bouchon avec aux questions financement et yo fait goerre donc pas gain sa pièce. C'est-à-dire comment on compte fusion la négocier, li nan commission suivi, li censé d'accord avec nous et puis l'absorti ou genre de notre comme ça.
Bon, premier élément, c'est que Fusion n'a pas fait partie du comité suivi de 9 membres blancs, mais certainement, il y a des partis politiques que nous croyons qu'au niveau comité, nous sommes d'accord que ou pas qu'à faire travail ça, tant que ou pas, et dans consultation directe avec eux. Mm-hmm. Et Fusion fait partie de une entité politique, ça y est, parce que d'autant plus que l'ingénieur Bradel, c'est un monde qui travaille en pile sous question ça. Mm-hmm. Position ça, m'a dit que l'irrité position, pas nous tous en quelque sorte. Je veux dire, c'est pas une histoire de financement. Et puis nous dit dialogue campé parce qu'il y a un corps qui est bloqué pour parti politique. Moi, je pense que question à loin. Ça qui est plus important pour la nation, ça qui est plus important pour nous, je veux dire, c'est la question de l'institutionnalisation. Mais pour qui ça nous courir sous financement alors? Parce que dans la première rencontre, là, qu'il y a des partis politiques qui dit on gère la question institutionnalisation en partis politiques, après ça, on a vu sous financement. Si le financement va intéresser nous, et montrer la population ça clairement, je dis à la son autre message, là, bye. Stratégiquement, le comité qui prend décision, vu qu'il y a deux étapes, financement et institutionnalisation, question financement, c'est question qui pille. Nous sommes capables de dire fragile et qui est sensible. Et comme nous avons une réunion à parler mercredi, nous disons on nous fait première rencontre vendredi pour discuter de financement parce que ça implique seulement les partis politiques concernés. Sous question institutionnalisation, qui sont questions qui sont plus profondes et qui sont fondamentales, nous avons besoin d'apport d'experts. Nous avons besoin des mondes qui pouvaient parler avec les partis politiques. Nous ne sommes pas là des entités qui travaillent déjà sous question structuration, institutionnalisation des partis politiques. Nous avons un cabo, par exemple, IDEA, un cabo, par exemple, NDI, un cabo, tout, et des entités ou d'organisations qui sont habituées dans faire formation, dans préparer les leaders politiques, et dans le cadre de renforcement des partis politiques. Pour nous faire deuxième rencontre là, nous prévoit éventuellement, nous parlons de colloque de 2 jours. En un colloque, ça, c'est pas nous. Nous parlons de relais des experts qui pouvaient parler avec dirigeants politiques, qui pouvaient parler avec partis politiques, pour comprendre le processus institutionnalisation qui ça impliquait. Et là, nous finissons faire ça, première partie, ça. Nous avons deuxième partie là-dedans, qui c'est éventuellement des ateliers. Mais tout ça, c'est des propositions. Qui était discuté. Après, il y a un ouvert débat avec des autres entités pour nous prendre commentaire, pour nous connaître qui est la meilleure façon pour nous procéder. De sorte que nous sortons non seulement avec un document sur le processus d'institutionnalisation, mais quelque part où nous sortons, nous sommes capables de dire, avec un projet d'amendement qui garde loi, qui garde les problématiques qui viennent dans la loi, et qui dit exécutif là, loi ça, que nous avons appliqué là, ou doit soumettre éventuellement position ça yo à parlement pour que loi ça a amendé. Mais nous choisissons quand même mettre projecteur sous question et financement qui qu'a fait et capoter et commission et que nous pas joindre résultat et nous t'a cherché bon mon petit lumière Mathias Pierre ou dit que fusion il pas fait partie de commission suivie et le 12 octobre et moi c'est au même qui était diffusion là et l'homme garde l'isme gain devant nous là fusion vérité OPL la PHTK, PDCH, Unir, c'est ça que BAM 9 là. Non, madame, je reprends. Mm-hmm. Fusion ne fait pas partie du comité. Ma petite comité en pour vous, les gagnants Vérité, les gagnants PDCH, les gagnants Unir, les gagnants OPL, les gagnants La Paix, les gagnants KID, et puis les gagnants PHTK. Okay. Et dans le renforcement de la discussion que fait, il y a deux qui ajoutent, c'est consortium avec PPG 18. Okay. Certainement, nous mettons d'accord en la comité, dans toute l'autre étape qui va rien pour nous faire, okay, parce que Fusion n'a pas manifesté et pour faire partie du comité de suivi, mais nous pensons que, je vous dis, pour rien un parti comme le RDNP par rapport à l'expérience du temps que le gagne, ou bien des partis qui sont en fusion, et qui étaient dans la dernière réunion vendredi, ou pas qu'à avancer
sans, et pour citer que ces deux-là, ou pas qu'à avancer sans pas rentrer en dans des consultations et à chercher même expertise. Non, mais si fusion, il y a une possibilité, parce que je me rappelle, c'est nous qui annonçons ces fusions, s'il y a une possibilité pour faire partie de commission et suivi, et que ça n'a pas intéressé, et que le saut sur une note, pour l'outil, j'en prends distance avec nous, ou bien les bas, les impétés, et pour le déjà dit, mes positions, et c'est question de lancer ça lié, à ce moment-là, bon, pour qui ça nous besoin, input, ça dit, c'est bala, Pagin et j'en dis à la, et comment on dit, cacher l'ombre, qui j'en va la dire encore là, et bah là, vous comprenez? Qui j'en? Ou à bien à cacher l'ombre, tout à l'heure. Ça dit, ou bien on en discussion, ou bien on va en discussion. Parce que si nous voulons arriver en bail, type de attitude ça, ou fond camp et sous yotoui, parce que ou là, ou bien on va là. Encore, moi, je crois qu'il y a plusieurs partis politiques et pas seulement fusion. Depuis la réunion vendredi, qui exprimait sa relais importance de institutionnalisation. Et me déplace tout, moi-même comme citoyen, moi beaucoup plus intéressé à institutionnalisation. Pour moi, parti politique dans le pays mieux a fonctionné bien. Pour moi, parti politique dans le pays mieux, je suis inscrit là-dedans. Pour moi, parti politique dans le pays mieux, je suis allé dans la campagne et dans différentes régions. Pour me candidat pour mon direction au parti, pour m'élu éventuellement dans certains partis. Moi, intéressé à ça. Et je pense que dans ce sens-là, notre fusion n'a pas gagné de négatif. Ou encore de colonel Imler Rebu, que je m'entendais et qui prend même position, hein, à savoir, parti politique qui comprend la dynamique, hein, clairement comprendre que je vous dis, hein, aider à renforcement et institutionnalisation du parti politique. Yo, c'est une étape qui est importante. Okay. Et nous-mêmes, au niveau. Et l'exprimer clairement, il me l'a rébu. N'empêche, n'a pas vu sous ça. Là. Nous sommes très au sérieux pour que nous avancions sous question ça. N'empêche, nous sommes très avancés sous question et financement. Nous sommes même qui cobre, qui montant, que balba à chaque parti politique de nous travail sous ça. On est sous ça. Là, alors, t'aimes rappeler, Madame Bonneau. Et sous question financement, c'est juste. Nous prenons ça qui est écrit et nous convertis en chiffres par rapport à montant qui est disponible. Ça veut dire nous prenons un tableau qui est l'ensemble. Non, mais nous travaillons sur le financement. Il y a pas de prochain an, non? Écoutez, il y a des travaux qui se font, tout suivent. Et il y a un document que nous sortit. Il y a des travaux qui se font qui aussi profonds, qui a bien peut-être pour sortir aussi que le comité à Bayou-Aval. Sous question institutionnalisation. Il y a un pile réflexion qui fait son institutionnalisation. Il y a un pile réflexion qui produit déjà sous amendement. Soit dans le cadre du parti politique eux-mêmes, soit dans le cadre du comité eux-mêmes, mais automatiquement que nous faisons réunion ça, sous question ça, nous avons bien pour nous rendre ensemble du document ça et réflexion ça au public pour que tout le monde connaisse. OK. Et on va communiquer nous-mêmes, genre, ou communiquer nous et rapport que nous que au niveau de commission nous déjà produit. Et moi, merci publiquement et Mathias Pierre. On était sous financement là. De combien COB n'a parlé et de combien partis politiques? Bon, pour le moment, et dans le cadre ça qui fait yo, et dans les données que nous voyons en dans CEPA, il y a 57 partis politiques et qui gagnent des élus. Et si nous regardons la loi a divisé le financement en trois tranches. Il y a une première tranche de 60%, il y a une deuxième tranche de 35% et il y a une troisième tranche de 5%. Et en dans la tranche 60%, mais qui condition, et c'est dans l'article 37 de loi ça. Il dit, un parti politique qui gagne 10 mounes, bien dit, 10 mounes députés ou sénateurs en dans le Parlement, ou qui gagne 30 cartels de magistrats ou kazek, ou qui gagne 5 mounes dans le Parlement et 20 cartels de magistrats ou kazek. Li peut bénéficier de 60% de financement. Notre deuxième tranche, 35%, c'est la première partie à répartir à part égale entre ces parties. Notre deuxième tranche, 35%, il dit qu'il répartit au prorata entre les partis politiques qui ont même gagné un représentant uniquement dans le Parlement.
Et troisième tranche de 5%, li alloué tout au prorata du parti politique qui gagne au moins yon femme qui élu dans dernier élection. N'a pas rappelé que tout cartel dans question quota 30%, tout cartel qui gagne trois moun là dedans, magistrat ou kazek, qui gagne yon femme là dedans. Et mais nous-mêmes ça nous te gagne pour faire, c'était garder pour application loi ça. Là nous t'a regardé application loi strictement par rapport à Samsou Dou là. Eh bien, nous rendons compte que l'ICA pas tout à fait inclusif, parce que il y a au moins et 30 partis politiques qui t'ont bénéficié, ça me d'arrêter, des financements insignifiants qui ne peuvent même permettre à parti politique ça pour être capable de louer un local pour payer. Donc, dans ce sens, ça, nous regardons les mensaïos, nous disons, mais est-ce que pas gagné une disposition qui permette d'intégrer beaucoup plus de partis? Nous allons regarder disposition transitoire. Disposition transitoire là qui dit qu'il faut prendre en compte standard les élections 2006. Il faut prendre en compte l'élection 2011. Eh bien, en dedans, ça nous garder et nous proposer, bien entendu, pour qu'on ait un accord sur ça, nous proposer à parti politique, sous question tranche et 60%, qui, dans l'application stricte là, a bénéficié seulement 7 partis politiques, nous dit sous question tranche ça, en nous regarder si nous avons divisé tranche ça en samdarili deux tranches, une tranche de 25% et une tranche de 35%, et permettre que tranche 25% que nous utilisons d'autres critères que nous voulons des critères subjectifs, qui chita en d'un article disposition transitoire loi, comme c'est première fois loi après l'appliquer, pendant une période transitoire qui pour nous permettre de nous faire ça. Et nous t'ai proposé que période ça, t'as une période qui allait soit entre 12 mois à 18 mois, ou au maximum que période ça t'a étendre jusqu'à élection qui vient pour fête, élection législative, avec élection et qui vient pour fête pour question et collectivité, qui vient pour fête en 2019. Voilà plus ou moins les éléments qui sont rentrés dans le cadre de la discussion ça, que nous proposons. Et là, nous faisons simulation, nous bien dit simulation, pour nous montrer parti politique, si nous appliquons dans les gens nous-mêmes nous proposer en fonction des critères objectifs stricts de la loi et des critères subjectifs, eh bien, nous sommes capables d'arriver à gagner au moins 58 partis politiques qui bénéficient de financement ça, et l'ensemble de ces partis absorbés avec un certain montant qui permettent au moins partis ça, y mettre première base du bon local, il y a une structure de fonctionnement, parce que nous avons dit que 90 à 95% partis politiques qui ont fonctionné, vous dites, c'est en bas en galerie, c'est là qu'il y a un monde qui a fait réunion, il n'y a pas d'infrastructure côté pour réunir pour que le monde y chita pour parler. Oui, mais si le gouvernement accepte et financer, parce que ça permet que les partis politiques vivent et correctement, gagnent un local et mais non vivent, renforcer les partis politiques. Ça est capable? Et moi, je crois que oui, certainement, il faut que tout parti politique là connaît tout, que loi fait un ensemble d'exigences. Ça veut dire que il y a l'agent public qui baille, et il est immédiatement impliqué le ministère des Finances, il est immédiatement impliqué la Cour supérieure des comptes. Ça veut dire en matière de bonne gestion, loi, en dedans, disposition ni, il y a tout un ensemble d'articles qui dit parti politique là, mais qui type de rapport pour rien pour bailler l'État, mais comment l'État pour rien pour contrôler, donc tout ceci. Gérédition des comptes. Quatre lois ça. Gérédition des comptes. Parce que c'est pas une question de vous parler bon comme et pour pas régler affaires personnelles ou avec comme là. À un certain moment, coûte local ou l'OEA, à un certain moment, coûte congrès et national qu'on fait, coûte congrès régional qu'on fait, coûte formation qu'on fait. Côté et ça y est, il y aura le tourner côté des éléments, côté parti politique, ou pas obligé adapter sous parti politique pour rentrer dans le cadre de la loi que démocratie capable et capable d'établir à l'intérieur même des partis politiques. Okay. Donc, ce n'est pas un financement, un cadre blanche au bon cop, mais son financement qui permet tout à renforcer les éléments bagay qu'on vient déjà. OK. Mais Mathias, faut tirer là. Faut tirer là justement sur l'édition des comptes là. Ou compte combien parti politique qui baille conseil électoral et provisoire rapport en mettant sous trois dernières élections.
Bon, je crois que c'est deux bagages différents. Oh. Financement parti politique, là. Ah, et comme l'État lié, n'importe qui, j'en ai, comme l'État, j'en ai l'autre, comme il y a un rapport. C'est entre financement élection. Moi, je crois que financement élection, il est géré par décret ou encore loi électorale. D'ailleurs, moi, je crois que l'important, c'est qu'on a une loi électorale qui dit comment élection fait et comment il finance les partis politiques sous question élection. Qui c'est un premier bagage qui part et ça n'a pas de là, qui nous vient à parler de. Non, mais pourquoi mais pour qui ça l'important, les pas entrer en application. L'on parti politique, l'on candidat fin faire élection, li pa gen rapport, li pa gen compte pour rendre ban ken moun et puis tout moun a gardé dans le blanc des yeux, j'en dis. Bon, moi je crois que et pour m'ta répondre aux questions ça, pour m'ta capable à vérifier et combien parti politique qui yo même pas ba rapport ou bien pas soumettre rapport. Et à un conseil électoral ou encore instance qui est prévue dans quatre élections. Moi, je crois que je vous dis, et question financement et parti politique, ils ont loi qui gère, ils ont loi qui dit mais comment le fait, et certainement, comme son financement continu et son financement annuel, ça veut dire que si Mbokobla, loi dit mais comment pour soumettre les pièces justificatives, qui dit mais comment pour soumettre les rapports financiers liés, et c'est ça que fait, moi, toujours dit, et dans le comité, on nous fait discussion. Aider à financer un parti politique en séance, si vous pas institutionnaliser pour aider le comprendre comment pour le faire travailler, ça y est. À savoir, par le parti politique, renforcement, support nécessaire pour que le connaît comment pour le faire. Parce que souvent, on est bon cob, ou pas dire comment pour le gérer cob là, ou pas montrer le comment pour le gérer cob là, c'est certainement de bonne foi ou de mauvaise foi, cob là capable de passer mal. Et ça nous aide, même dans le temps des dirigeants qui élus, qui va gagner la pratique de la gestion. Donc, je vous dis à moi quoi que oui, nous avons réfléchi sur comment pour aider un parti politique qui va gagner suffisamment d'expertise, qui va gagner suffisamment de compétences la Cali, comment pour aider à mettre en place à nous des institutions de renforcement, ça veut dire que des institutions qui apparaissent pour aider, et n'a pas les dates d'institutions nationales, parce que je vous dis à moi des entités internationales qui participent dans la bagarre ça, quand pour IDEA, quand pour. Et NDI, mais je vous dis, il faut bien des institutions nationales qui viennent pour aider au renforcement des partis politiques, qui pour bailler dirigeants partis politiques de formation, pour qu'ils connaissent qu'il faut qu'ils comptent, qui pour qu'ils connaissent qu'ils base de membres, qui pour qu'ils connaissent qu'ils gagnent un logiciel comptable qui pour permettre de gérer le travail qu'ils ont fait, pour qu'ils connaissent que l'argent qu'ils baillent à son argent qui pour bailler rédition des comptes après, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des pièces justificatives. Qui supportait toute action, faut qu'on système décisionnel en débat politique là. Et bien ça, yo, c'est des bagages qu'on va apprendre dirigeant yo. Et je pense que je vous dis, si... recommandation comité yo, comité après aller dans ce sens ça, parti politique yo même, yo capable de comprendre ça yo bien pour faire dans cadre institutionnel. On t'a parlé de loi, qui ça prévoit et par exemple si un dirigeant parti politique ça yo gagne qui décide de prendre comme là, ça c'est dans poche ou bien acheter machine yo ou bien font l'autre bas régler pour faire personnel yo. Bon, et quand coûte toute entité l'État, et loi lui-même, lui dit, et sous garde dans différents articles et qui gagnent sous question loi sous parti politique, particulièrement sous question reddition des comptes, eh bien, loi lui dit, mais comment pour le rapport au bail, il faut que le rapport au bail soit supérieur des comptes. Et qu'on se perd des comptes, et lui-même, il y a toute procédure et qui vient pour appliquer dans le cadre d'un rapport qui baille, comment pour rapport à respecter la loi, parce que quand même, c'est l'agent de l'État qui peut le gagner, qui rentre dans le cadre de ça. Donc, je pense que c'est quelque part, ils ont pratiqué de dirigeants partis politiques là, avant même de vivre dans l'État, pour faire des ordres de bonne foi ou de mauvaise foi, ils peuvent bien s'en comprendre, ils peuvent bien s'en connaître, depuis un débat de politique là, comment pour le pratiquer, en d'autres termes, apprendre à diriger en dehors du pouvoir pour que leur arriver en un pouvoir ou développer ou bien capacité pour capable diriger de manière efficace pour que le pays aille de l'avant. Puis, gars, l'étape, c'est vie contre eux et puis, ils dit c'est persécution politique, non? Bon, et il faudrait s'y attendre, mais moi, je comprends que, et je vous dis, hein, c'est le jeu et démocratique. Et bagaille de fait dans les normes. Et si gagne un cop qui vous baille, faut qu'il y ait une réduction des points, faut qu'il y ait une bonne gestion. Et je pense que, je vous dis, si
li ou apprendre faire en d'un parti politique là ou qu'on faire en d'un parti politique là moi presque bon garantie l'ori van l'état ou capable bailler de meilleurs résultats parce que ou quelqu'un habitué avec pratiquant et c'est ça que fait une déclaration que me fait qui est créé en cette irritation par rapport à des moun me dit que hommes et femmes politiques jodien c'est pas dans la rue pour apprendre diriger mais c'est dans l'université des partis politiques qu'on apprend à diriger. Parce que moi-même, je comprends que je dis, ou pas qu'à un homme d'État qui nous fait des expériences sur les 30 dernières années, des hommes d'État qui atterrissent en pouvoir sans y avoir une expérience en pratique de gestion, sans y avoir gérer et participer dans la dynamique de groupe et de gestion, eh bien, ils ont piteusement échoué. Et je dis, nous croyons que en dans parti politique yo son sorte de son forme d'université que lié non seulement vous devez apprendre à gérer parce que aujourd'hui financement capable de joindre bagage pour gérer pour diriger ou apprendre exercer leadership ou apprendre comprendre tout comment pour entrer dans dialogue dans débat dans discussion avec pour comprendre que c'est pas consensus pour nous capable faire des décisions moi pense que c'est des bagages qui sont importants pour nation aujourd'hui. OK, ou parler de 57 ou parler de 58 partis politiques, qui chiffre qui bon? Alors, nous appliquer les critères et subjectifs et objectifs, gagnent en total, et si nous prenons élection 2010 et élection 2011, gagnent des partis politiques qui sont capables de bénéficier de financement et qui, et par rapport à ensemble de critères, donc total, là, fait à peu près 58 partis politiques. Okay. Mais il y a 57 partis politiques qui gagnent élus dans la dernière élection. Et gagner 55 partis politiques qui étaient qualifiés seulement pour le financement public. Et si nous prenons le contexte, ça veut dire que nous par rapport à 11 femmes qui sont élues, il y a seulement 55 partis politiques qui sont 57 qui sont élus ou qui sont femmes qui sont élues. Et en dans 57 partis politiques, ça a eu, il y a deux qui ne sont pas qualifiés. Donc, et en dans nouveaux critères, eh bien, sous base disposition transitoire-là, au total de 58 partis politiques jusqu'à présent, parce que nous gagnons des débats qui viennent pour continuer, pour nous, mais gagnons 58 partis politiques qui t'a qualifié par rapport à ensemble de critères. Proposition que nous faisons là, et je suppose qu'elle va faire l'objet de discussions dans la prochaine rencontre que nous allons faire. Bon, certainement oui, et nous avons fait présentation. Yo. Et nous avons, si nous avons déjà voyé l'ensemble de ces présentations par les partis politiques, et les partis politiques qui n'ont pas gagné élu, et nous demandons, et c'était, ça fait partie des discussions, ils ont gagné pour soumettre des revendications, des points que ils ont gagnés, et certains là-dedans, ils sont capables de faire par écrit à comité, parce que nous voulons faire un travail, et nous allons même faire un travail qui est inclusif, qui prend en compte. Et les revendications et l'ensemble du secteur politique. OK, pour les premières réactions, c'est-à-dire dans la salle là, pendant discuter ça, comment et parti politique qui est Jodia qui gagne élu que ce soit au niveau de la présidence, au niveau du parlement et élu pour collectivité territoriale, yo même qui gens yo accueilli proposition ça parce que moi c'est gagne moins d'une dizaine de partis politiques et que si nous t'a décidé appliquer et loi et Jean Lia là c'est yo même qui tape j'en dis et taille la part du lion et oui et parti politique ça yo et pour certains qui pas et fait partie de comité a et te gain des requêtes que yo mandé pour que gagne une réunion spéciale et pour qui fait ensemble avec eux et ceci nous croyons que d'ici semaine ça a bien pour faire entre comité et parti politique ça yo pour garder et qui parti politique ça yo ou ca cité yo et moi croyons que deux partis politiques qui étaient publiquement et intervenus sur question ça c'est Bouclier avec AAA qui c'est deux dans groupe de sept partis politiques yo qui te gagne des revendications, mais ils sont d'accord immédiatement dans la discussion et en tant qu'ils étaient dans la salle là, pour que il y ait des réunions qui faites, pour que eux-mêmes yo accord à décision, parce que ils pensaient que eux-mêmes yo gagne mot pas yo a dit. Il y a des autres partis politiques tout qui eux-mêmes et pas dans une catégorie qualifiée
qui soumettent des revendications publiques et que Napton et que yo et pour nous prendre en compte pour que gagne en compte qui fait de manière appropriée. Moi quand que travail ça c'est un consensus qui pourvienne. D'abord réunion vendredi c'est un succès dans le sens que bon un minimum de consensus parti politique était sorti avec une certaine satisfaction par rapport à l'ensemble des présentations qui étaient faites yo. C'est un premier pas et nous croyons que nous allons continuer de travailler au niveau comité hein, pour que il y ait des autres pas qui fait et qui pourra aller dans le sens de la satisfaction de la majorité. Mais et certainement que même là nous déprend et outil temps quand même hein, pour nous et sortir à ça nous sortir là. Bon, et c'est normal et parti politique, discussion politique et monsieur toujours discussion tout, l'argent surtout. C'est pas capable, non. Discussion, c'est pioulouse sous question comité, hein. Et beaucoup plus que tout autre, hein. Et discussion sous l'argent, c'est pas les mêmes qui étaient fait gros. D'accord, dit débat, c'est discussion sous comité, hein. Et pour que le comité ait une légitimité parti politique, yo. Bon, c'est les mêmes qui étaient prêts 3 heures dans la journée, hein. Mais nous t'es sorti avec un consensus. Et je pense que c'est ça qui est important dans le milieu politique. Et fait politique, et donc en dynamique de groupe, et plus de 50 partis politiques qui réunis en côté, moi je pense que le bagage qui est important, c'est un consensus, et je crois que nous t'es sorti en consensus, et c'était très bon pour la démocratie. Partis politiques qui ont montré qu'ils étaient à la hauteur, et l'ensemble des partis qui étaient présents, qui étaient fait intervention, ont montré qu'ils étaient à la hauteur, et moi songer, il y en a un sage qui était dans salle là et qui représentait le RDNP, le discours a commencé, il dit c'est bon pour les débats, c'est bon parce que en fait c'est débat yo qui pour permettre nous clarifier point yo qui pour permettre nous joindre consensus et penser que c'est ça pays a besoin. Okay. On a parlé de dialogue, faut que dialogue là entre nous, faut que nous mettions d'accord en tant que parti politique qui pas fait partie de pouvoir ou qui fait partie de pouvoir ensuite pour nous parler à pouvoir. Et je pense que c'est dans la dynamique ça, c'est dans le sens ça, je crois que n'a pas avancé, je veux dire. Et ou dit AAA avec bouclier, il a exprimé clairement position. L'autre parti politique, il a exprimé clairement position. Et PHTK, et par exemple, OPL, Unité, KID, Plateforme et Vérité, et ils ont choisi pour l'instant de suivre discussion ou bien ils ont plus ou moins tavelé et accepté les propositions que le comité suivi a fait. Et oui, et parti politique ou société là, yo en accord puisque yo fait partie de comité a comme grand bénéficiaire c'est de unité qui est même pas là, mais gain des discussions qui est faite avec éventuellement d'autres dirigeants et n'a bien pour une tonne position et parti unité, mais comme on nous dit et vous dis c'est application de la loi. Et c'est joindre un consensus de majorité sous question loi, je crois que c'est là que nous y est. Et n'a pas réussi à avancer et n'a pas de débat. 58 partis politiques concernés et quoi blanc combien lié? Et après discussion que nous avons gagné avec le président de la République, là, gagné un budget et un budget qui voté à de 250 millions de gourdes. On a rappelé que dans le budget antécédent, c'était 500 millions de gourdes qui étaient gagnés pour les partis politiques. Donc, le président est d'accord que je vous dis un état important que le même budget 500 millions de gourdes, là, c'est le même qui est arrêté, mais comme il y a une loi et budget à qui voter avec 250 millions, et a bien éventuellement, bien dit, éventuellement, que le président pourrait regarder avec l'équipe et mon gouvernement, certainement pour garder tout avec le Parlement, pour que ouais, si il y a gagné un budget rectificatif, pour que 250 millions additionnels là, il débloqué, mais pour le moment, sous 6 premiers mois, nous sommes capables de travailler avec 250 millions qui est alloué en budget national. Ok. Qui ça et nous répond? Bon, peut-être qu'on répond que pour être ou avec la paix, à Moun, qui pensait que ben, Jovenel Moïse vient à ça pour nous tirer un appel? Et pourquoi, nous avons dit de préférence que je vous dis un pays et non dynamique côté d'un pile problème. Je pense que c'est une à la fois. Et nous-mêmes,
au niveau parti politique qui est impliqué dans le cadre débat ça sous question financement institutionnalisation parti politique là la PCOS SMK accompli ça mais nous même tout nous considérer que ça comme un premier pas vers un dialogue permanent parce que moi-même nous prenons président au mot le 14 il dit que lui ouvrit un dialogue permanent avec classe politique là et dialogue permanent ça lui dit lui gagne la donne financement institutionnalisation parti politique lui gagne la donne les états généraux sectoriels lui gagne la donne débat sous gros question nation élection pour venir loi électorale qui pour faire conseil électoral etc. ça veut dire que lui rentre dans une dynamique de débat et comme son mot président lui-même avancer comme président de la République qui prend un engagement par rapport à ensemble de partis politiques nous dit eh bien d'accord nous pour aller vers premier pas ça et systématiquement n'attendre que l'autre pas au fait parce que nous pensons que sous question économique yo, sous question sociale yo, particulièrement pour arriver à stabilité politique qui c'est élément fondamental pour capable développement économique et social dans le pays états généraux sectoriels c'est un élément clé pour nous qu'il y ait de bonnes élections pour que dirigeants bien élus dans le pays a, pour que pas une contestation faut que nous avons un conseil électoral faut que nous ayons une loi électorale qui reflétait d'être capable de dire ça ensemble de partis politiques eux-mêmes qui ont souhaité et même quoi que le président de la République a pris un engagement publiquement par rapport à partis politiques sur question ça et moi n'a pas souhaité qui ça soit parti politique que t'as souhaité concernant et conseil électoral permanent. Bon, écoutez, moi pas dans cadre et capable de interview ça ou encore dans cadre discussion. C'est discussion en fait. Dis-nous ça dit. Sous question ça, mais moi quoi que je vous dis hein, et pour nous arriver et à titre personnel, pour nous arriver à un conseil électoral permanent, faut gagner le plus de consultations qui fait qui pour permettre que nous gagnions des monde qui choisit qui reflétait, n'est capable de consensus et au niveau classe politique là et qui et une fois que conseil ça ta by garantie ta joué une confiance classe politique là moi pense que nous capable de vivre à de bonnes élections et des élections qui quoi le pays d'Haïti a toujours contesté mais qui a le moins contesté possible qui pour bailler légitimité à dirigeants qui pourraient diriger pays. Donc quoi que c'est une étape fondamentale, quoi que son bagage. Oui, mais qui en va le faire ça là parce que mais j'aimerais président veut faire là c'est dans constitution le praler. C'est-à-dire si qu'on y a là, nous pas le faire et de organisation voyez représentant nous pas dans permanent encore non et dans provisoire n'a retourner. Non, moi quoi que et quel que soit ça n'a faire. Faut qu'on fasse dans cadre la loi. Si nous gagnons un état de droit, on a parlé de état de droit, on pense que faut que nous restions dans le cadre de la loi. Mais dans le cadre de la loi, même j'en ai fait pour question de loi sur parti politique, il faut gagner le plus de consensus, il faut gagner le plus d'ouverture. Si nous pas qu'à sortir de la loi, moi-même particulièrement, et moi dis plusieurs fois, moi pas un fanatique de provisoire, moi pas un fanatique de transition, parce que moi fini par conclure sous 30 dernières années, provisoire ou transition a aidé pays à aller de l'avant. Ça, c'est position personnellement. Toutefois, je vous dis, hein, nous gagnons une constitution, nous gagnons des lois, il faut que nous essayions d'appliquer, mais nous gagnons des faiblesses, il faut que nous appliquions, nous voyons des consensus entre nous. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Si le dialogue-là continue, si le président qui dit deux bonnes fois pour maintenir un dialogue permanent, il fait le plus de consultations possibles. Pour vous la meilleure formule pour respecter la Constitution, hein, appliquer la loi, mais pendant que vous avez un consensus avec l'acteur, vous croyez que l'institution que nous mettons en place a gagné beaucoup plus de monde qui fait confiance, il y a plus légitime, et je pense que le travail que vous avez pour faire, il y a capable beaucoup plus et profond et important nation que nous gagnons, qui est très faible aujourd'hui hein, par rapport à différents problèmes socio-économiques qui gagnent dans le pays. Ok, moi même dans des chefs béton, yo, que ce soit beaucoup de partis politiques, organisations, droits humains ou sociétés civiles, yo même yo dit, moun PHTK ça yo, yo déjà gagné tout bas, non, mais yo déjà exécutif, parlement, et bon, yo pas quitté yo vin et former conseil électoral et permanent. Ces positions yo ça et des moun sa yo nous connaît qui capacité et yo gen chauffer béton et yo
pas dans la discussion qu'a fait actuellement là entre le président Jovenel et Moïse et les partis politiques. Bon, moi, je crois que il y a deux stratégies d'opposition et dans la rue. Il y a une stratégie d'opposition radicale et qui lui-même rentrait dans sa nouvelle marché de Mayotte et que nous voyons sous 30 dernières années. Et la transition qui continue, la transition qui n'en finit pas. Laissez droite extrêmement pour pouvoir, gauche la dit, bon, déchouquer. Laissez gauche extrêmement pour pouvoir, droite la dit, bon, déchouquer. Sous 30 ans qui sont passés là, nous gagnons 17 ans de gestion du pouvoir par la gauche et 14 ans, 31 ans à peu près, 14 ans de gestion du pouvoir par la droite. En dedans 17 ans de pouvoir par la gauche, là, si nous regardons bien, il y a 10 ans là-dedans, c'est René Préval qui fait. Il fait parce qu'il est rentré, chaque fois, il est rentré dans une dynamique de temporisation, il est rentré dans une dynamique de dialogue. Ça veut dire qu'il a ramené beaucoup plus vers le centre que le VT vers l'extrême gauche. Je vous dis, hein, si nous voulons Haïti aller de l'avant, il faut que nous allions vers le centre beaucoup plus que l'extrême. Parce que je vous dis, sous déchouquer un président ou prend pouvoir, je garantis ou pour constituer un groupe qui a constitué pour déchouquer avant qu'on finisse le mandat par là. Et je vous dis, stabilité politique pays, il passe par un pouvoir qui fait élection. L'Elfin fait élection, de bonnes élections, dans de bonnes conditions, en d'un consensus, pour remettre le pouvoir à l'autre pouvoir. Et je pense que c'est là pour aller. Je vous dis, moi, je crois que nous, dans la logique, ça. L'ensemble de partis politiques, pour moi, qui répondent à la question du dialogue président, je vous dis, dit, on nous fait une opposition constructive, beaucoup plus que nous aller vers une opposition radicale. C'est droit, mon monde. C'est droit, mon entité politique, pour le faire opposition radicale. C'est droit, mon monde. C'est droit, un parti politique ou une entité politique, pour le dire, moi, je vais lâcher ma yon. Tout le monde pour obliger la donne. Moi, je crois que aujourd'hui, hein, nous avons une dynamique de dialogue. Nous souhaitons seulement que le pouvoir exécutif, là, que le président de la République, là, comprenne c'est ça, qui sont gros gestes dans un moment qui est extrêmement difficile pour certains leaders politiques. Parce qu'il faut comprendre, Marie-Lucie, qu'on côté ou dans la dynamique politique, ça, je vous dis, à vous voulez lyncher ou parce que vous dites tout simplement qu'on voulait rentrer dans une dynamique de dialogue, pour comprendre, pour rentrer là-dedans, et je vous dis, moi, quoi, et moi, t'as souhaité que le président de la République, là, il comprenne la dynamique, ça, il comprenne, je vous dis, ramener vers le centre, diminuer et diriger avec consensus, c'est ça, pays d'Haïti besoin, pour être capable de jouer une stabilité politique, c'est le seul moyen, moi, quoi, qu'on capote, qu'on aille mieux pour la population, pour le peuple haïtien. Est-ce que le président prend chemin là? Et à ce stade, moi qui a dit, nous prenons homo, et c'est la mienne. Et moi, je crois que notre intervention coûte que nous avons fait dans le palais national, dans le moment que j'ai invité le comité ad hoc là pour te parler. Moi, dit, nous prenons homo, et nous souhaitons que le de bonne foi. Non, dialogue, c'est qui ça lit. Il y a le discours. Vous voulez faire dialogue, les longer même. Le longer même, moi, je suis d'accord, longer même Bali, pour me rendre compte que le de bonne foi. À partir du moment que je me dis, l'élonger mes, moi je dis pas plonger mes valises, ça veut dire que je ne suis pas d'accord pour me parler, je ne suis pas d'accord pour me discuter, je ne suis pas d'accord pour me dialoguer, ça veut dire que pas de dialogue. Okay. Donc, je vous dis, moi, quoi que nous, Haïtiens, ministre fin quitter le pays, ministre fin aller, en nous essayer, ouais, c'est une cas préserver, ça n'est pas capable de prêter, souveraineté, ça n'y est, pour nous capable de gérer le pays. Pour que ce soit fait deux minutes juste. Nations Unies, la pire réduit. Je dis à la ministre juste oui ou non, mais moi quoi que je dis, c'est parce que effectivement et me tendez discussion qu'a fait sous question et ministre juste souhaité intervenir au niveau système judiciaire là, mais c'est parce que nous pouvons montrer maturité politique nous en tant qu'homme politique, en tant que pays, en tant que nation, pour nous prendre souveraineté, mais pour nous gagner capacité pour nous ensemble pour nous gérer au lieu de faire la guerre. Parce que finalement, si nous comprenons bien ce qui a passé là, l'histoire de ce pays, lorsque nous sommes dans toute
19e siècle, hein, c'est par la guerre, c'est par la force que nous prenons pouvoir. Et c'est guerre fratricide entre nous, les Haïtiens, qui pral fait que 1915 fait. C'est nous qui menons blanc dans le pays. Hein. C'est guerre fratricide entre nous, manque de dialogue, non-acceptation de dialogue, qui pral fait en 1994 que blanc retourne dans le pays encore. Je vous dis 13 années plus tard, bon pas qui fait. Côté que y a une élection qui fait, c'est un problème. Nous vous mettons à clôture. Mais nous y vivons un consensus. Nous avons une élection. Résultat sorti. Nous avons 7 mois que un président élu. En nous, je ne dis pas 4 blanches par président. C'est pas ça que je dis. Je dis en nous, prenons de bonne foi. En nous, prenons un dialogue. Blanc, yo, senti que vous minimum stabilité, yo retire quoi yon de pays. Non, pas dire retire quoi yo. Nous fait 13 ans, regardez. Ministre fait 13 ans là, nous va jamais préparer départ yo jusqu'à ce que c'est Nations Unies qui a des problèmes pas financiers. Yo décidé aller, bon, yo quitte un petit groupe là moins de milliers de policiers si t'a fait l'obéir et que yo capable intervenir. Donc voilà au bon raison. Ça veut dire que je veux dire c'est maturité politique nous, capacité pour nous diriger pays parce que yo qualifié Haïti d'État failli parce que ils ont décidé que Haïti pas une capacité pour gérer tête politiquement et économiquement parce que institution lui faible parce que Haïti n'a pas qu'à mettre tête ensemble pour gérer pays. Okay. Je dis moins quoi que nous gain responsabilité ça pour que nous mettez nous chita ensemble. Ça vient des différents énormes. Ça continue gain des différents et c'est ça que élection va jouer là. Je dis pendant que n'a discuter, n'a dialoguer, n'a faire opposition constructive, faut que nous a construit nous là où il y a construit leadership nous, construit parti politique nous pour nous offrir de l'autre solution pour nous prendre pouvoir. Parce que en fait qui ça lié, c'est que je veux dire c'est jouer démocratique, c'est ça lié jouer démocratique là. C'est ça nous pouvons offrir. Mais certainement on capable prendre des leaders qui pourraient de préférence et c'est à force là où il y a c'est mobiliser monde, c'est ça qui est capable mener à pouvoir. Mais moi, je crois que ça apparaît en garantie de stabilité parce que puis devant, on va le construire pour l'autre groupe qui fait. Rappelez-nous ça qui fait nous en 1991, rappelez-nous ça qui fait nous en 2004 pour nous comprendre l'expérience de gérer le pouvoir et pour pouvoir et pour opposition, quoi à droite, quoi à gauche. L'expérience de gérer le pouvoir en Haïti, de l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est pas lié et qui permet le pays à avancer de l'avant, c'est pas ce qu'il fait. Que... Que des milliers et des milliers de jeunes qui perdent espoir, qui descendent Chili. Je vous dis, l'autre jour, je suis rentré à l'aéroport, je suis regardé le volume de monde pour pouvoir prendre l'avion pour la Chili, pays en situation inquiétante. Et je vous dis, je crois que comme leader, comme responsable, nous avons pour nous réfléchir, on l'a dit, pour mener Haïti de l'avant. Il y a deux parties importantes, famille Lavalas et Petite Dessalines, qui fait choix d'être dans la rue. Est-ce que dialogue et ça li capable rivon côté a c'est pour gain stabilité dans pays a et sans que deux parties ça yo ba yo pas changer et position yo pas accepter vinn discuter. Bon, moi quoi que parti ça yo jodi an yo peut-être pas croire dans bonne foi président da et nous souhaiter que le président l'y avance. Nous souhaitons qu'il fait de l'autre pas significatif. Dans Chita avec parti politique et société civile. Dans Chita avec alors bon dynamique qu'on capable d'employer. L'on dit point bas automatiquement on dit on pas parler à moun encore. Et pour moi, longer main pour dire dialogue, ça veut dire que on recule sur l'approche point bas. Qui irrite moun. Et moi, c'est que je vous dis, pouvoir, président de la République, là, lui rentrer dans une dynamique de dialogue. Là. Moi, c'est que le parti politique, ça, yo, certainement, cap chauffé béton, cap chauffé la rue, hein, le yo comprendre que le dialogue, là, c'est sérieux. Le yo, ouais, dialogue, là, c'est sérieux. Qui le yap kawel sérieux? Pour le président poser, pour yo, il vraiment souffert ou bon dialogue, ou véritable dialogue? M pas dans stratégie qui a défini sous ça qui a fait dehors,
Mm-hmm. Pas qu'à dire qui ça a fixé tête, mais en général, la mm-hmm. dynamique politique là, c'est très souvent ou moins des plus mm-hmm. ou moins de moins. Ok. Mais donc, comment on est capable de dialoguer à des mouns qui, eux même, c'est tout rêve de faire, c'est pour aller? Et d'ailleurs, c'est des mouns, bon. C'est des mouns, c'est des organisations politiques qui ne peuvent jamais et reconnaître Jovenel Moïse comme président. Et je pense que là, c'est ça qui fait me relayer la différence entre opposition radicale et mm-hmm. opposition constructive. Maintenant, c'est qui est-ce qui a gonflé pour être au Provin Pifo à un certain moment ou à l'autre. C'est ça qui va déterminer le jeu de force. Mm-hmm. Moi, je pense que le jeu de force ça, entre pouvoir et radical, là, si le pouvoir se rapproche du centre, si le pouvoir veut diriger avec dialogue, il qu'a mm-hmm. minimisé force ça, il qu'a minimisé force ça de mobiliser, mm-hmm. et force ça qu'a obligé de retrouver pour et reprendre et approche lui. Mm-hmm. Et je dis, hein. Mais moi, quoi que, je vous dis, hein, il y a de bonne guerre, que quand même, et nous avons une dynamique en Haïti, et nous croyons que le pouvoir, il faut que nous prenions par la force, soit par la force économique ou par la force des rues, et c'est comme ça nous croyons. On croit que il y a des monde qui engagent la donne de plus en plus faut que nous rentrer dans une jouette démocratique là à savoir okay. à l'élection de bonnes élections privées accéder au pouvoir par le jeu démocratique au moins même qui capable meilleure solution pour Haïti. Au moins à deux reprises on dit fort et président gouverné au centre et le moment où il y a parlé de questions remaniement et ministériel. Est-ce que à côté de financement parti politique là gonti ba distribution de postes là on va le rebattre carte là. Bon, personnellement il y a jamais eu moi-même personnellement pas jamais mmh. qu'une rencontre personnel avec le président de la République là et au niveau comité par exemple il y a des discussions qui faites sous question gouvernement mm-hmm. et sous question ça nous étions un strict mandat qui a un rapport mm-hmm. avec la question de la loi sur les partis politiques nous pas transiger nous pas de l'autre côté mm-hmm. je pense que si il y a des autres discussions qui viennent pour entamer sous question ça président a bien pour contacter les partis politiques et autres mm-hmm. etc sous des questions spécifiques qui liées à question ça. Question directe. Nous, notre dynamique de application de la loi, nous étions dans quatre cas. OK. Est-ce que application de la loi, ça a gagné pour le remaniement, son discussion politique qui aboutit à elle. Comme on dit au moins à deux reprises que fait président gouverner au centre, moi-même comprendre que elle pas là. Si pour le vin là, il faut gagner des mounes actuellement qui dans le cabinet ministère, il mettait dehors et puis il fait l'autre entrée. Et ça me comprend. Bon, et alors, on parle en pile d'amis. Il y en a un bagage que moi j'aime faire, et c'est lui, et c'est garder. Mm-hmm. L'homme dit diriger au centre, c'est lui qui est bon pour Haïti, parce que moi, ouais, finalement, et dans 30 ans qui sont passés là, 31 mm-hmm. ans qui sont passés, dans l'expérience de démocratie, n'a fait depuis 26 ans, moi, je me compte que l'approche dialogue, l'approche consensus, mm-hmm. c'est lui-même qui menait de l'avant. Et c'est l'ami, il aime parler de diriger au sein. Okay. Et il n'y a pas bon approche de séparation de gâteau, mal et plus loin que ça. Okay. Parce qu'on peut séparer gâteau et puis problématique pays a été entier. Mm-hmm. Mais beaucoup plus, mon approche. Non, mais ça a fait là, l'outil ensemble à ça. Il a commencé par la grande grappe d'Aïnamé nous. Et puis après, bon, on va changer le gouvernement. La gomba est toujours. Et puis, bon, si la paix présidente ça a ce prix, ouais, même, ouais, j'en vais la fête normalement. Bon, Madame Bonhomme, Mathias Pierre, pas d'engager dans ça. Et d'ailleurs, sous une position, moi, pas engagé dans rien qui a un rapport avec partager gâteau. Moi, mm-hmm. engager beaucoup plus nos dynamiques qui pour permettre Haïti aller de l'avant. Ok. Moi, je crois que lorsque fait dans le pays ça, lorsque grandit dans le pays ça, lorsque recevoir des bagages dans le pays ça, lorsque un petit qui fait dans le pays ça, moi, je crois que faut poser et réfléchir à poser des actions pour la postérité. Mm-hmm. Je dis, faut garder le pays. Faut garder des espoirs jeunes. Faut garder le monde. Faut garder le niveau de pauvreté. Faut garder disparité économique et inégalité sociale, yo. Mm-hmm. On nous dit qui ça nous a fait. Et faut garder tout le temps.
faut garder tout le temps, c'est pas où l'air n'a chauffé, n'a mettre du feu et puis où l'air nous décider bah parce que nous gomba n'a chercher, nous gon côté nous voulait arriver et puis laisse ça pour nous dans opposition constructive, faut nous ta toujours dans groupe ça. Et moi crois que et moi d'accord que faut que nous constamment la donne parce que c'est lui qui cap mener nous de l'avant. Mm-hmm. Parce que très souvent on rentre dans une dynamique d'être capable de racheter Mayoc et puis en dans dynamique racheter Mayoc là il bon un résultat temporaire, résultat temporaire ça ou transition au pouvoir provisoire ça produit des bagailles qui va les mêmes effets plus tard un an ou deux ans après. C'est comme si on prend crise là temporiser pendant un moment et pour retourner sous table d'avis devant. Okay. Je veux dire moi quoi que faut que nous réfléchissions différemment pour nous garder expérience que nous fait. Et moi invité par exemple les hommes politiques cap fait politique du dans pays aujourd'hui à livre le Moine Bono sous les 30 dernières années et de 1986 à 2000 à 2016 et qui ba où ça passé dans pays à comment nous fait expérience yo, pour que nous pas reproduire les mêmes erreurs, pour que nous pas reproduire même bagaille, de préférence prendre de l'autre approche, chiter ensemble, dialoguer, faire un consensus et ceci pour voir où gagner pour faire première étape. Paul la bon, parler point comme pour pouvoir c'est au cap diriger cap prendre décision dans un premier temps, faut que vous montrez bonne foi yo, faut que vous allez dans direction ça et nous souhaiter que ça cap faire opposition yo à engager yo. Dernière question pour nous finir et Mathias Pierre et non commission suivie non parti politique et quoi son quarantaine qui était et gain représentant yo non rencontre qui était faite et non palais national. Comment est-ce que depuis Emoun li vini et puis li dit le représenter tel parti nous décider vraiment que il est capable de parler, il est capable d'engager le parti politique ça dans la décision qu'il prend. Parce que, je suis au courant, ça l'a secoué sérieusement la plateforme Vérité. Et puis, il y a une unité tout. Pendant que je fais l'émission, il y a une responsabilité. Il me dit non, lui, le vaillant Louis Jeune. Et qui fait au voyant une note et ben moi là qui dit que attention et d'a signaler que unité unanime pour pas participer à rencontre t'a fait et avec et président Jovenel Moïse alors que Mounio yo continuer et dans la rue et pour manifester contre budget bon t'a souvenir pour le vaillant baga fait budget encore manifestation t'a fait c'est pour Jovenel Ali. Ça, c'est moi qui souligne, mais le vaillant, les noter a fait budget. Qui soit répondre à ça? Parce que unité avec vérité, il y a une commission suivie. Non, parce que qui ça a été fait? Il a été contacté CEP. Hein? Oubliez que le conseil électoral, là, toute partie politique qui a inscrit tête, yo, et il a été signifié CEP avec qui moun qui a droit de représenter yo, et publiquement. Donc c'est à partir de l'ISA qui était utilisé. Ça veut dire que tout le monde qui est invité ou qui te recevoir cette invitation, d'après ça me comprendre, ça veut dire que t'es gagné un certain mandat de représentation ou personnel, par exemple sous prend moi-même sénateur Anacassis qui lui-même représentait officiellement la paix, qui que lui désigné moi-même pour représenter dans le cadre du comité. Donc c'est comme ça. Et bagaille de fait, ça veut dire que faut aller vers parti politique là et me penser que c'est à partir de CEPA ou encore ministère justice qui gagne des lettres qui gagne à dit mais qui monde qui représente parti ça et qui dirige parti ça donc c'est comme ça que ça fait. Mm-hmm. Maintenant c'est droit et des partis politiques, c'est vrai que des 40 partis politiques qui étaient participés dans la réunion on a pas l'air mais dans la réunion qui était faite vendredi à il y a plus de 50 et partis politiques qui étaient répondre présents dans le cadre des discussions. Okay. Mais on connaît élu à Livin et d'emblée systématique et ou dirigeant parti politique là et je dis à là non c'est... alors c'est pas élu hein
et parti politique là et parti que tu gagne des cobes et des financements qui par parti politique yo leur t'a promettre mandat il y a des monde qui t'est mandaté pour se voir ou encore officiellement communiquer avec CEPA pas parti a et sinon acte notarié que parti ont été informé CEPA donc personnel ça yo personnalité ça yo c'est des personnalités qui mandaté. Donc nous pas entrer dans bas interne parti yo pour élu pas ta sous même longueur d'onde à monde qui présentait comme et dirigeant parti agent ça fait dans plateforme vérité là actuellement. Non, loi dit clair et ni loi électorale là, ni loi sous parti politique là, il dit le mandat appartient au parti. Ça veut dire que ou élu sous un parti politique mais théoriquement et pour peut-être certains élus qui parlent, qui finissent saisir ça, c'est le parti politique qui a le mandat. Donc, si vous venez pour négocier son pouvoir, vous venez pour parler, sa partie politique-là. Mais même là, son bagnon tâche. C'est ça lié de manière institutionnelle, c'est ça le souhaité de manière institutionnelle, c'est le parti politique et les élus sont des élus sous et en dedans, et il n'est pas capable de dire parti politique-là. Donc, comité 1 et entité 1, après, elle a rentré. Non, et dynamique ça a eu, et pour regarder qui problème interne. Moi, tant de discussions sur plateforme vérité, bon, quoi que son problème entre eux qui est résolu, et parce que loi et décret électoral a été dit comment on crée une plateforme, il faut qu'il y ait des partis politiques et des organisations qui a notoriété pour faire parti politique là. Certainement, il y a des plateformes, et par exemple, l'idée que de la donne ou bien de l'autre, qui gagne des personnalités qu'il a derrière. Bon, ça, c'est des bagages internes à l'intérieur du parti politique. Mais dans la mesure où l'institution, parce que plateforme là, une fois elle s'est constituée, elle est notariée et elle est signifiée par STEP1, ça veut dire que tant qu'ensemble d'organisations, entités qu'il a derrière, pas décidé de dissoudre, ça veut dire que plateforme là, les mêmes là, ça veut dire qu'on gagne droit ou même comme personnalité, ou même comme individu, ou décider de quitter. Et entité A, organisation, hein, c'est pour moi, c'est même fait avec une société anonyme, qu'on actionnaire quitté, ça m'avait dit que. Sauf que le parti politique, il y a même la société anonyme niée. Et bon, moi, j'ai réglé le problème et plateforme vérité rapide. Mais il n'y était lui-même. Ah bon, ça, on dit son problème qui résout lui. Ou pas responsabilité, Mathias Pierre. Non, non, attention. Je ne vais pas entrer dans une bagarre interne. Moi, dit ou bon, comme exemple, et matin, je me entrevue sous une radio sœur. Moi, dit ou d'après ça, je comprends, d'après ça, je m'entendais, mais qui ça, que est problématique. Oui. Mais, je ne pas quoi faire. Unité, même. Non, les questions internes qui liées avec des entités ou au groupement politique. Moi, rappelé un petit peu ça, décret. Sous question et élection, qui a été dit, l'autre a créé plateforme parce que je suis impliqué dans créer des plateformes politiques dans quatre dernières élections. Ok, ou moi, vous parlez pour plateforme vérité, unité même. Quoi? Unité. Le vaillant Louis Jeune qui dit lui-même, il a raconté ce qu'il a fait là. Moi, je ne crois pas que je me place, je ne crois pas que unité te répond présent. Et je crois que unité a des invitations que je mais il n'était pas tiré pour une prison dans aucune réunion. Bon, la commission a suivi unité par la DEN? Non, unité par la DEN. Donc, il n'y a pas de discussion du tout? Non, unité fait partie de 7 à 8 partis politiques qui ont le plus d'élus dans la dernière élection. Donc, il fait partie de groupes, et comme je disais tout à l'heure, gagne unité. Il fait partie de plus de partis politiques élus. Oui, nous te soulignons ça. Participer dans quatre discussions. Donc, est-ce que nous prévoir là si il y a des partis, si n'a baïkob et bon, si n'a baïkob bien évidemment qu'on baï, on y a ces gens nous va gérer là et si ou parti politique, si ou parti politique, si ou parti politique Mathias Pierre, il pas dans discussion yo, enveloppe yo pas joindre quand même. Je me rappelle, bien, le comité n'a pas un mandat pour le BAYKOB. Le comité n'a pas pris rentrer dans la question du BAYKOB. Le comité a un pour le travail sur la question de loi, pour faire un consensus avec le parti politique, pour collecter l'ensemble des recommandations et puis soumettre les BAY et pouvoir exécutif là. Et mandat fini. Moi, quoi,
parti personnel, que quel que soit parti politique qui qualifié dans le cadre de loi, et d'ailleurs, sous le rapport à tout, non, tout parti politique là, eh ben, normalement, il est supposé émettre pour parti politique. Ça, le moment arrivé dans le cadre du financement. OK. Eh bien, merci Mathias Pierre, c'est ton plaisir. Et faut-il parler matin là? Et à bientôt sur Vision 2000. Madame Bonhomme, merci. C'est ton plaisir pour nous te faire échanger beaucoup plus technique ça sous question financement, institutionnalisation, parti politique. M'a salué tout auditeur, auditrice qui t'apprend Vision 2000 matin. Et bonne journée, bonne semaine, Mathias Pierre qui t'a invité nous. Et jeudi à Mathias Pierre, et transfuge de Petite Dessalines. Eh bien, jeudi à lit avec la paix, et la paix qui est dirigée par Anna Cassis et Jean Hector. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Voilà, mon tapé, Marie-Lucie Bonhomme. Bonne journée, bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité du jour. Paul-Lapalais.com.